dernière fois que vous chantez de votre vie. Évidemment, la première version que tu as faite, il n'y avait aucun problème technique vocal. Mais elle n'était pas touchante. Elle était juste dans une démonstration d'une belle voix. Sweet song. Lydia Louis-Joseph Boulay, bien sûr, représentera la Martinique le 28 janvier à la salle Cortot à Paris. Je m'appelle Livia Louis-Joseph Dogué. Je me présente au concours Voix des Outre Mer. Grâce à Fabrice, on se rend compte qu'on est une autre personne et avec ses techniques assez rapides, il nous permet d'atteindre des notes que moi, je n'atteignais pas. Je suis originaire de la Martinique. J'ai vu à la télé un reportage sur Fabrice Di Falco qui donnait des masterclass en Martinique. Alors du coup, j'ai pris contact et c'est comme ça que j'ai commencé à auditionner pour le concours Voix des Outre-mer. Andreas Pérez Ursulé. Le jury a décidé de donner le prix Jeune Talent à Livia Louis-Joseph Dogué. C'est apaisé lorsque je me suis tenue sur scène. Je me suis totalement libérée. J'ai carrément joué de la comédie. C'était vraiment bien. C'était comme un rôle. Suivez le concours Voix des Outre-mer. Si vous avez une voix ou si vous avez tout simplement une passion pour le chant, que ce soit lyrique ou pas du tout, inscrivez-vous parce que c'est vraiment énorme. Vous allez découvrir d'autres candidats qui seront dans la même situation que vous, qui découvriront les choses. Et vous allez prendre énormément de plaisir.